Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur le live du jour. On n'a pas de petite musique d'intro aujourd'hui, voilà, pas eu le temps de préparer, mais toujours est-il que nous sommes là avec vous, on vous attend en espérant que vous serez beaucoup pour retrouver Alice. Donc Alice, c'est une commode sur laquelle nous avons déjà eu l'occasion de travailler, déjà deux reprises il me semble, hein, on a fait trois reprises. On avait fait ensemble une mise en peinture avec des rayures, avec des pochoirs. On vous avait démontré aussi une moulure de chez Wood Uben qui, en la chauffant, permet de devenir flexible. Et on l'avait préparée pour la coller ici. Finalement, la chose est terminée. Et vous avez tellement été nombreux à nous solliciter pour retrouver Alice. Et bien voilà. On la retrouve ensemble. Puis on nous a demandé dernièrement aussi C'est ce que des j'allais rayures dire. Et on comptant. va faire d'une pierre deux coups, puisqu'on nous demandait aussi de revoir comment faire des rayures et des rayures fantômes. Donc, des rayures fantômes, c'est quoi? Des rayures fantômes, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on crée des rayures, mais elles viennent se fondre vers le bas ou vers le haut. Hein. Là, vous faites comme vous, ou ça pourrait être sur le côté, enfin. Chacun fait comme il a envie. Donc voilà, l'idée c'est que l'on parle essentiellement de ça et qu'on reparle un petit peu d'Alice avec vous. Donc bienvenue à tous. Si nous avons des petits nouveaux avec nous, alors déjà la bienvenue chez nous pour nous présenter un peu. Donc c'est Isabelle qui vous parle. Bientôt c'est Charlotte qui prendra les pinceaux. Donc, nous représentons la société IB Déco, donc société spécialisée en rénovation de fauteuils, l'habillage des fenêtres et aussi et plus principalement en live le relooking de meubles. Donc, nous sommes situés dans le nord de la France à 30 minutes de Lille et nous avons aussi une boutique en ligne où vous pouvez retrouver tous les produits dont nous vous parlons en live, sauf exceptionnel, mais en général, on a quand même tout ce qu'il faut sur la boutique en ligne. Dis-moi tout, Charlotte. Alors bonjour tout le monde, ils sont déjà très nombreux. Je vais remontrer donc. Coucou Evelyne, Audrey, Fred qui dit bonjour tout le monde et Alice. Coucou Aurélie, Tania, Steph qui dit bonjour à tous, trop contente de vous voir en direct, quasi toujours en replay le calendrier de l'Avent. Super. Bah, tant mieux si Super. tu peux être là. Coucou Wilfried, Angéline, Nanou, Mélanie, Evelyne qui est heureuse de revoir Alice. Coucou Ingrid, Catherine, Donc, Evelyne qui nous Audrey. suit déjà depuis un petit Oui. moment parce que ça Audrey qui dit fait. j'adore Alice, je pourrais même vous l'acheter. Eh, Nat, regarde. Belle. Séverine, Monique, Eni Rock. Alors, je ne sais pas Je sais pas, c'est quoi ton prénom, tu as Eni Rock? je sais Ça pas m'embête de t'appeler comme ça. si ceux qui ont l'habitude de nous voir en live, vous avez peut-être remarqué qu'on a un petit peu changé de forme. Avant, on était très élancés et on a trouvé un réglage sur le logiciel Logiciel. et on a les vraies tailles. Donc Alice, elle était très très élancée, très très mince, avec un peu comme nous, mais là maintenant elle est Elle est un comme peu ça, plus, voilà. un peu plus ronde comme nous. Coucou Dominique, Donc oui, Karine, Annie Rock, pour revenir sur Christine. ce que tu disais, si on peut avoir son petit prénom. Oui, ben, je passe le Et on message. essayera de retenir, Retenir. on essaiera. Coucou Bernadette, Sandrine, Florentina Bounaziwa, Michel. C'est quand le live zinser? Monique, j'ai dit la même chose au représentant qui est venu me voir. Si c'est lui le prochain représentant, je signe. Merci pour le représentant qui était là. Non, mais là, c'est l'homme de la marque. Ah oui, d'accord. Il est beau gosse, hein? Ouais, t'as changé de coiffure, Isa, Angéline te demande. Non. Non, elle est juste pas coiffée. Il n'y a pas de brushing aujourd'hui. J'ai refait des mèches il y a 15 jours. Bonjour Marie-France, Laetitia, Stéphanie, Bon. Sylvette. Attends, je crois que j'ai bientôt fini. Sylvette, Ingrid, José, Cocotte. Super, ça faisait un petit moment, Cocotte, il me semble. Coucou Patricia. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, Eni Rock, tout simplement, c'est Corinne à l'envers. J'y ai même pas pensé. Ah, Donc coucou on Corinne. retiendra plus facilement. Belle hanche Alice, tout à fait. Coucou Kat. Allez, Bon. j'ai pas mis mon Elle n'a pas mis son tablier parce que bon, on va faire de la peinture, donc il y a toujours risque de se salir. On n'est jamais trop prudent. Donc voilà, il est caché.
Et hop. J'aurais préféré un blanc. Je préférerais un blanc, mais bah, un blanc de Dixie. Un blanc, il reste jamais bien mieux à l'envers. Voilà. Voilà, donc comme on travaille avec les peintures Dixie, on va rester neutre au niveau des marques. Ou éventuellement, il aurait fallu mettre Bad Green. C'est, ouais, mais je ne l'ai pas là non plus. Il est dans ma chambre, je crois. Allez, bon, go. Allez, je vous confie Charlotte. Voilà. Hop. Coucou tout. Je ne sais pas si... Coucou tout le monde. Bon, donc Isabelle vous a expliqué. T'es juste scalpée. Ben. Oui, ben, je sais le faire, hein, 2 minutes. Voilà. Donc, on ne travaillera pas sur le devant d'Alice aujourd'hui. Par contre, on retravaillera peut-être dessus mercredi parce que je l'ai sorti. Et je ne vais pas la re-ranger. Je pense qu'on va travailler un petit moment dessus. On va donc faire les rayures fantômes. On les avait faites d'un côté. On va les faire de l'autre côté. Et puis, ben, on va s'y mettre tout de suite. Dis-moi. Il y a Candiline qui demande si on vend des tabliers. Oui, on peut. Alors, ils ne sont pas sur la boutique, mais on peut les avoir. C'est tout à fait possible, Candiline. Je finis toujours avec des taches sur les joues ou le front. Alors, ici, elle n'est pas rayée aubergine et blanc hein, ou rose pâle. C'est, on a préparé notre travail, on a mis du scotch de masquage. On va vous expliquer comment on fait. Alors, j'ai vu une bulle là. C'est vrai qu'on avait parlé, il fut un temps de tablier IBDECO. C'est exact, Stéphanie. Et puis, j'y pense et puis j'oublie. Enfin, c'est pas qu'on oublie, c'est que... Voilà, sur l'instant T, on n'est pas forcément sur le sujet et après on passe à autre chose et voilà. Voilà, donc pour faire les rayures, j'utilise le même scotch que d'habitude. Je vais peut-être reculer un peu parce qu'on ne te voit pas entièrement. Ou je vais baisser un peu la caméra déjà. Ça va, c'est bon, là je l'ai en entier. Toi, s'il manque un bout de ta tête, c'est pas gâteau. Ouais. Donc, j'utilise comme d'habitude notre scotch Tessa, qui a l'avantage de ne pas du tout abîmer votre peinture. C'est un scotch léger pour faire... Alors là, je vous avoue que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pour la rayure, parce qu'on est sur une courbe et que ma courbe, elle n'est pas... Elle n'est pas bien faite. ...régulière partout. Donc, pour être sûr... Quand je fais mes rayures, je mets toujours un scotch devant. Enfin, j'en mets 3 même. Vous voyez, ils sont là, les 3. J'en mets un en haut, un au milieu, un sur le bas. Et je viens bien mettre mon scotch le long de mes marques. Une fois que celui-ci est posé, je reprends mes scotchs, je les mets à côté. Je fais la même chose. Donc, ici, on est parti sur des rayures identiques entre ce qui va être peint et ce qui ne l'est pas. Bien évidemment, vous pourriez faire des rayures plus fines entre deux. Ou plus large. Là, c'est les petits bouts de scotch que vous mettrez entre vos rayures qui vont déterminer les espaces entre vos rayures. Alors, j'espère juste que ça ne va pas baver dessous parce que je vous avoue qu'avec la courbe, on a dû tricher un peu à certains endroits et le scotch par endroit est un peu tendu. Et je ne voudrais pas qu'il se décolle. Candiline ne faisait pas partie des personnes qui... Qui voulait la rayure fantôme, si il me semble. Bon, je sais que là, par exemple, là, ça va baver. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran, mais là, j'ai le bois qui est complètement fissuré. Donc, mon scotch, forcément, n'adhère pas correctement. Donc, soit on est très précautionneux à ces endroits-là, ou quand vous avez des défauts dans le bois. Voilà, on fait comme on peut. Au pire, hein, vous savez, idéalement, c'est de faire du mieux possible. Et s'il faut, après, on peut bien évidemment faire des petites retouches. J'aurai des petites retouches au niveau des en bas, rayures, mais pas, c'est pas grave. Je ne sais pas si tu les as collées. Je n'ai pas cherché à coller parce que comme on fait des fantômes. Donc oui, le bas, Isabelle dit, on n'est pas venu les coller correctement. On n'est même pas venu aller jusqu'en bas parce que de toute façon, en bas, ça va être la même couleur, l'aubergine. Donc, hop. Je prends les 3 couleurs que je vais utiliser pour faire mes rayures en blending, donc blending dégradé. La couleur de base qui est celle du meuble, c'est le aubergine.
au-dessus, ce sera le Plum Crazy. Et tout en haut, ce sera le Peony. Tape le couvercle. Retourne-le et tape sur la table. Là, j'ai pas envie d'en mettre plus la couvercle. D'où l'intérêt d'utiliser les bagrines. On n'avait pas encore les bagrines, d'ailleurs, quand on a commencé à lisser. Non. Alors, les bagrines, on va vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est des petites bagues qui se mettent à cheval, on va dire, sur vos pots de peinture. Donc, vous resserrez bien les pattes. Vous resserrez légèrement les pattes pour que ça force un peu, pour éviter que la bagrine ne bouge, afin qu'elle glisse bien sur, voilà, sur votre peau. Et ça vous permet de ne pas baver sur les pattes vis et sur les bords du pot. Et vous allez racler, on va dire, votre pinceau sur les petites dents qui sont à l'intérieur de la bagrine, ce qui va faire retomber la peinture dans le pot et ça évite de la salir, de la polluer et surtout de créer des pattes vis qui collent et c'est un petit peu compliqué. Alors là, l'idée, c'est voilà, on peut frapper, mais on ne veut pas trop le faire parce que quand on frappe, ça décroche les peintures qui sont séchées sur le bord et ça tombe dans le... Ça tombe dans la peinture. Celle-là, bonjour Jean-Luc. Ça, on les a pas utilisés. Ah, appelle le mec de Zinser, il dit Fred. Alors, les rayures fantômes, hein, comme on le disait, au lieu d'avoir une rayure qui va être nette du haut en bas, sur nous, ça va être sur la partie basse, on va la dégrader pour qu'elle vienne à nouveau se fondre dans la couleur initiale. Et donc, créer un dégradé entre le haut et le bas et finir avec du violet, enfin de l'aubergine sur le bas. Donc, pour faire mon blending, j'utilise les pinceaux de chez Dixie Belle. Donc là, je vais en avoir besoin de 5. Donc, pourquoi 5 ? Je prends un plat pour chaque couleur. Donc, j'ai les deux mini plats de chez Dixie Belle, le mini angle. Et après, je prends les ovales. Donc là, j'ai le oval medium et le oval small. Ceux-là vont m'aider à appliquer les couleurs, tout simplement. Et ceux-là vont me permettre de finir le dégradé avec un pinceau propre et sec. Tu n'as pas fait tes délimitations sur le côté ? Je les vois devant. Propre et sec pour vraiment flouter et enlever toutes les marques. Voilà. Donc, je vais commencer par le haut. Donc, toujours bien mélanger vos peintures avant l'utilisation. Et mettez votre bagrine avant de mélanger. Parce qu'on racle toujours son petit mélangeur. Hop. Et sinon, vous allez le faire sur le pas de vis. Et donc, t'as du pas d'intérêt. T'en mets ça ? Non, j'en ai pas. Et l'aubergine. Donc, je rappelle pour les couleurs, c'est aubergine, Peony et Plum Crazy. Pardon. Mais je l'ai mis derrière. Oups, je repasse encore devant la caméra. Donc, on est aussi venu mettre ici un morceau de scotch pour que vraiment les rayures s'arrêtent sur le haut du meuble. Donc, je prends la couleur la plus claire ici, donc la Peony. J'ai pas pris mon bruni. Je me prends aussi mon biolisateur. Je l'humidifie juste avec un peu d'eau, là. Est-ce que vous entendez bien, Charlotte ? Parce qu'on a changé de... Je pose bien... De prise de son. Au niveau de mes scotchs. Voilà. Et là, je vais venir me référer ici sur le côté, parce qu'à l'avant, on a fait exactement le même dégradé. Je sais que mon dégradé se fait à peu près ici. Non, ça va. Apparemment, le son est bon. Merci. Je sais qu'il me faudra 2 couches pour mon blending parce que le Peony ne couvre pas bien l'aubergine. Je vais peut-être zoomer un peu. Je vais vous remonter. Hein. Hop.
descendu un peu le boss au fur et à mesure. Mais c'est pas mal. On viendra le retravailler après. Donc je prends la deuxième couleur, le Plum Crazy. Donc comme on a un blending qui est déjà fait sur le devant, c'est-à-dire un dégradé qui est déjà fait sur le devant, Charlotte se repère, va voir de temps en temps sur l'avant pour voir si pour voir où situer les translations des couleurs. Les transitions. Les transitions, merci. Translation. Donc déjà, essayez de peindre autant que se peut dans le même sens que les scotchs. Voilà, là, ce que voilà, je sais que j'aurais... Charlotte, ou alors de l'intérieur du scotch vers l'intérieur de la rayure, mais pas l'inverse, pour éviter que la peinture ne glisse sous les scotchs. Je ne vais pas partir du milieu ici et venir vers le scotch. Je vais plutôt partir du scotch vers l'endroit que je dois peindre. Alors, moi, c'est ma façon de faire un blending, au fait. Il y a d'autres gens qui le font différemment. Chacun sa technique. Moi, c'est la technique que j'aime. Je le fais aussi comme ça parce que je suis sur quelque chose de droit. Allez. Donc là, je viens tout doucement rechercher la couleur du dessus. Après, si vous voulez faire plus simple, vous pourriez, enfin Charlotte va peut-être me contredire ou affirmer, vous pourriez faire du rose jusqu'en bas, enfin jusque où vous voulez qu'il y ait du rose tout au moins, et après refaire le blending par-dessus avec la deuxième couche. Hein ? J'ai pas compris. On pourrait faire le rose jusqu'en bas ou jusque où on veut du rose, et faire la deuxième couche, le blending sur une deuxième couche seulement. Non. On verrait quand même la démarcation. Je l'ai fait une fois sur un meuble et tu vois quand même la démarcation. Vaut mieux commencer votre blending dès la première couche. Même si on fait sans le... À la rigueur, sans le blender, ou il faut quand même blender? Non, il faut blender. D'accord. Donc là, ce qui me perturbe, je vais les peindre avec parce que... T'as du mal à te repérer si tu peins pas les scotchs. Je vais peindre les scotchs parce que sinon je ne me rends pas compte. Il y a Candy qui dit que c'est grâce à toi qu'elle a réussi à faire ses rayures. Merci. Donc là, je ne vous explique pas à chaque fois parce qu'il faut quand même que je travaille rapidement. Je change de pinceau, bien évidemment, entre deux. Hein. Quand chaque fois que tu changes de couleur, tu changes de pinceau. C'est ça. Quand je travaille plus en partant du bas, donc de la couleur Plum Crazy, je prends le pinceau Plum Crazy. Si je viens descendre la couleur du haut, je prends bien sûr mon pinceau avec la couleur du haut. Et sinon, entre deux, il ne faut pas hésiter à décharger votre pinceau sur un chiffon pour enlever la... pollution entre guillemets que vous avez pu mettre sur vos poils de pinceau, c'est-à-dire l'autre couleur que celle du pinceau à laquelle il était dessiné au départ. Donc là, je prends un pinceau sec, propre, poil souple, assez volumineux et je vais venir flouter mes démarcations en sachant que là, j'ai pas besoin que mon blending soit parfait parce que je sais qu'il va y avoir une deuxième couche. Hein. Et là, je le fais plutôt dans l'autre sens et je vais commencer à balayer. Mais je vois que là, vous voyez, mon bois n'est pas net et donc ici, je viens rechercher la couleur du dessous. Mais ça, c'est normal. Hop, là, j'ai trop de peinture. Il a commencé à sécher. Non, donc Karine, c'est ce que je disais à Charlotte tout à l'heure, de faire une première couche du plus clair en dessous. Mais Charlotte, je peux enlever un message de là ? Sur les trois petits points. Oui. Et attendez, hein, je suis en train de. Hop. Hein. Merci pour tes conseils, Mireille Mabadou.
Mais c'est mieux de tout de suite faire le blending. De toute façon, tu vas repasser sensiblement ton blending au même endroit après. Bah, puis en plus, ça vous entraîne, quoi. C'est ça. Ça vous fait votre première couche brouillon, entre guillemets. Faut que je prenne du recul, je ne me rends pas compte. Ça va pas du tout. Moi mais... aussi, j'ai appris les rayures Charlotte. Elles vont porter ton nom. Là, ça me perturbe, mais je sais que c'est parce que c'est pas assez couvrant. Et donc, mon blending n'est pas terrible à cause du fait qu'on voit encore la couleur du dessous. Puis là, clairement, faut dire ce qu'il y a aussi. Hein. La difficulté, c'est d'avoir de la rayure, du scotch. Je suis sur quelque chose d'incurvé, de pas forcément lisse. On collectionne les... C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà, les difficultés. Fred, il dit qu'il a appris les rayures en prison. Alors, il y en a qui travaillent beaucoup en humidifiant au fur et à mesure le blending. Moi, là, je ne peux pas me permettre parce que sinon, clairement, mon rose, il ne va plus du tout être assez couvrant vu que je l'aurai trop dilué. Donc, pour le moment, je vais laisser comme ça sur le dessus. Je sécherai après. Et je suis trop haute. Qu'est-ce qui est trop haute ? Ma délimitation. Mais je pensais aussi. Mais... Elle devrait être là. Bah, descends plus ton... Voilà, donc là, Charlotte s'est aperçue que son blending était un petit peu trop haut. Bah, qu'à cela ne tienne, elle va descendre un petit peu plus à sa couleur peony. Ah, ils sont partis en délire sur le live. Alors après, moi là, j'ai le feu qu'on a éteint juste avant. Là, il fait chaud. Hein. À côté, il fait chaud, donc ça sèche assez vite. Là, il y a un truc qui me chagrine de là-bas. Ah non, là-bas, je crois que c'était une impureté dans le... Non, j'aurais vu. Dans la peinture. Mais c'est une cheville. Hein. On sera bien plus bas, hop. Alors, si vous n'avez jamais fait de rayures, commencez par des rayures toutes simples, sans faire se dégrader. C'est-à-dire, vous avez retenu la façon de mettre le scotch, c'est une bonne technique pour avoir toujours les mêmes espaces. C'est-à-dire que vous prenez des petits scotch, voilà, des petits scotch intermédiaires qui vous servent de guide. Vous mettez bien, contrairement à ce qu'on a fait, vous le verrez après, du scotch jusqu'en bas et vous faites une rayure classique. Entraînez-vous comme ça. Les rayures fantômes ou en plus blendées, parce qu'on pourrait faire des rayures fantômes d'une seule couleur aussi. Ben, si tu ne blendes pas et tu ne blendes qu'à la fin, tu ne mets pas de la peinture partout. Ça revient à faire un dégradé quand même. Oh, c'est quand même plus simple que faire... Toi, tu l'as fait fantôme blendé, tu vois. Bon, là, il manque... Je ne peux pas, là. À l'œil, ça ne va pas, mais ce n'est pas assez opaque et c'est normal. Allez, on attaque le bas. Alors, je vais vous descendre puisque Charlotte est partie plus bas. Hop! Vous voyez, là, elle remet d'aubergine, donc c'est la couleur de fond. Donc là, c'est le pinceau mini-angle. De chez DC, il est vrai. Non, pas mal aussi. Qu'est-ce qu'elle chante, Monique ? Je serre les fesses, il n'y a rien qui presse. Mais enfin, Monique. J'ai pas compris. Je t'ai connue plus sage. Hein. Mais ça, c'était avant. Ça. Je sais pas qui l'a dévergondé. J'ose pas penser que c'est un autre contact, d'ailleurs. Donc là, on prend, donc, comme vous le voyez, là, une troisième couleur, c'est-à-dire l'aubergine qui est la couleur de fond. Charlotte réhumidifie parce qu'en plus, comme elle vous l'expliquait, on est à côté d'un poêle à peler, donc ça chauffe.
C'est hyper relaxant de regarder Charlotte travailler. Oh, c'est cool ça, Annelise. Eh bien, si je te relaxe, tant mieux. Alors, là, je fais des bêtises, je vais aller trop vite. Regardez ce que j'ai fait là. C'est parce que je descends, donc je viens retaper dans le violet, et je n'essuie pas avant de refaire. C'est hop, là, il faut que j'essuie. Et voilà, pas assez, hop. Je n'hésite pas à retourner le pinceau si besoin. Contrairement à Jules Léglise, Michel chante « Tu as bien changé ». Coucou, Martine, non, Edwige, Bounty. Oui. Bonjour Edwige. Est-ce que on aurait pu ne pas peindre violet en haut pour éviter de voir le violet à travers? Oui, mais c'est juste que... Ah, mais sous tes scotch, il n'y aurait pas eu de violet non plus. Hein. Ah oui, non, non, tu ne pouvais pas. Non. Non, non, tu ne peux pas, Audrey. C'est pour ça que ça a été compliqué de quand on a conçu ce qu'on allait faire sur Alice. Parce qu'après, je m'étais dit, sinon, il fallait que je la fasse toute rose, Alice, pour que ce soit plus simple pour faire mes rayures fantômes. Alors, tu as deux... J'avais pas envie qu'Alice soit rose. Tu peux avoir deux façons de faire. Soit tu fais ton blending de fond, et après, dessus, tu viens faire tes rayures violettes aussi. Oui. Et en fantôme seulement. Donc, non, en fantôme, elles sont du effet classique. Elles vont se faire. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, tu peux faire ton blending du haut en bas, c'est-à-dire faire un dégradé avec les couleurs que tu veux. Bah, ça aurait été plus simple si j'avais fait ça. Si j'avais fait le si côté on avait su, dégradé. Si on avait su, on aurait fait ça. Voilà. J'aurais fait mon blending sur le meuble. Mon blending sur le meuble et seulement après je serais venue faire mes rayures couleur aubergine. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais j'ai regardé ça et m'en ourlé de travers. Ben voilà, Babette. Attention ton scotch qui. Ouais, mais tant pis. Là, je vais pas trop m'arrêter à ça. Alors après, une fois qu'on aura fait les... Tu ne vas pas faire les deux couches, si? Tu n'auras pas le... Enfin, elles ne vont pas sécher. Je vais sécher. Ah si, je ne fais pas... J'enlève pas des scotch. On vous fera voir un petit peu ce que... Mon deuxième pinceau. Celui-là, c'est celui de tout à l'heure. Là, je prends le deuxième sec. On vous fera voir un petit peu aussi, tant que ça sèche, ce qu'on a prévu de faire sur les tiroirs, même si vous l'avez vu un petit peu en début de live. Donc là, avec mon pinceau, je viens chercher tout doucement la couleur aubergine et je la remonte dans la couleur plume cosy. Bon, ça se verra pas après. Je veux absolument... J'ai du mal, je vous avoue... à faire un blending en deux couches parce que je suis omnibulée par ma première couche. Alors déjà, ben là, Charlotte, elle ne vous fait pas un live facile, hein, je reconnais. Hein. Déjà, le blending, ce n'est pas simple. Les rayures, ce n'est pas forcément simple non plus. Et là, elle fait un petit peu des deux, plus une rayure fantôme. Alors, bon. Sur un support incurvé. Ouais, j'avoue. C'est pas... Ouais, c'est pas le sujet le plus évident. Et avec des couleurs quand même relativement contrastantes. Si vous faites un blending entre un beige et vous allez aller dans le gris, dans le blanc, voilà, vous pouvez partir d'un beige, d'un grège, d'un gris et après aller vers le blanc, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la couleur du haut pour venir travailler là. Mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas. Bah, comme tu as cet effet de transparence. Voilà, je décale un petit peu. C'est celui-là. Alors,
Bah après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un live un peu plus technique, mais faut, voilà, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Ceux qui ont, quelquefois, c'est destiné à ceux qui débutent, et d'autres fois à ceux qui sont un peu plus, qui maîtrisent un peu plus les techniques. Ça n'empêche que pour les gens qui débutent, ça permet de voir ce qu'on peut arriver à faire après aussi, hein. C'est, de toute façon, c'est en, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, c'est pareil, hein. C'est à force de faire qu'on maîtrise les techniques, qu'on comprend comment on peut faire. Mais voilà. Donc, il y a des fois, on peut en tirer un petit détail, une petite astuce, une petite technique qui peut nous servir à… On va sécher afin que je puisse faire la deuxième couche. Il est branché ? Non. Sèche-cheveux ou… Non, je vais faire le décapé. C'est tout à fait ça, Evelyne. Moi, je pense que même si on se rate, même si on se plante, c'est bien, on a le mérite d'essayer. Après, faites comme moi au début, hein, j'ai testé d'abord sur une planche. Et seulement après sur le meuble. Donc là, je vais chauffer fort, mais à basse température. C'est-à-dire plutôt froid, de l'air, mais froid. 50 degrés, mais l'air à plus. Bon, peut-être un peu plus, 80 degrés. Allez. Alors, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est ça, il en faut. Voilà, on essaye de s'adresser à un panel le plus large possible pour pouvoir intéresser tout le monde. Après, je pense que c'est jamais négatif, même si on maîtrise. C'est jamais mauvais de revoir les bases, parce qu'il y a des petites astuces qu'on peut avoir oubliées aussi. Hein, c'est valable dans les deux sens. Coucou, Graziella. Vous voyez mon blending entre les deux couleurs. Tu vois là comme il est beau mon blending entre les deux couleurs aussi. Mais c'est la même couleur. On voit rien, t'as vu? Ben non. Il est bien fait là. Je trouve ça un peu chaud. C'est pour ça que j'aimerais bien les ateliers, dit Babette. Ça l'aimerait bien quoi? Bah qu'il y a à nouveau des ateliers. Ah ouais, je sais. C'est qu'il va falloir qu'on mette une partie de ce qu'il y a ici et ailleurs, parce qu'on commence à plus avoir beaucoup de place. Il faut que je finisse la liste parce que mine de rien, elle prend de la place. Là, il y a deux gros meubles, et après on a encore deux autres meubles sur lesquels j'aimerais bien travailler. Les deux chevets, là, le meuble bas, genre meuble télé, le meuble Indus, le meuble qu'on a récupéré d'une de nos clientes, que je vais faire un effet Indus aussi, enfin bref. Une fois que c'est fait, on ne peut plus les déplacer comme on veut, parce qu'on y a toujours la crainte de les abîmer, on ne peut pas les entreposer dans un garage, enfin, voilà. Bon, j'aurai des petites retouches sous les scotch, hein. Je vois que là, ça fait un peu soulevé. Surtout avec l'humidité de la peinture en plus. Je vois que mon scotch, là, il tient bien du tout. Ouais. On voit, il s'est trippé un peu. Ouais. Y aura-t-il un atelier sur l'île? J'habite en Belgique, près de la frontière. Bon, on est à une demi-heure de l'île. Donc, ce sera plus dans nos locaux. Si t'es pour faire un atelier, Tania, essaye de regarder le temps qu'il faut pour venir jusque chez nous. On va, ouais, clairement, on ne va pas se déplacer à une demi-heure de chez nous. Non, ce n'est pas l'histoire de se déplacer. On ne va pas louer un local à une demi-heure et devoir du coup l'amputer sur le prix de l'atelier. C'est ça. Alors que nous, on a notre local à 30 minutes. Donc, s'il fallait aller en Belgique, faire 200 km, oui. Sinon, voilà, on vous demande à vous. Il y en aura un d'atelier en Belgique, Tania.
Je ne sais pas où tu es, mais il y en aura un. Faut faire des lives spéciales finition jusqu'à épuisement des stocks. Tu veux dire quoi, Evelyne? Tu peux préciser ta pensée, s'il te plaît? Jusqu'à épuisement des stocks. Ben, surtout des lives spéciales finition. Ah, la finition de meubles. Ah. Bon, allez. On attaque. Hop. Là, c'est vraiment pas joli l'écran. Hein. Enfin, même en réel, hein, je vous rassure. Namur, Namur, on nous demande. Ben, après, il faut nous le demander gentiment, hein, José. Voilà. Hein. Ah, la trois quarts d'heure de route, Tania, ben, faut venir. Hein. Tu sais que moi, j'ai des gens qui font 2 heures de route pour venir chez nous. Bah, Véro, qui était venue de Paris aussi. Paris, oui. Dominique, quand elle vient, Dominique Deschevette. C'est pareil, elle a un petit bout. Ah, près de Orchy, dans ce coin-là, ok. Mais... ça court, c'est bon. Et terminant live, tous les meubles commencés, elle veut dire Evelyne. Mais c'est comme ça que je l'avais compris, ah, hein, ma poule. Ah, épuisement des stocks des meubles. Ben oui, c'est ça. Ouais, faudrait. Moi, j'ai essayé le glaze, j'y comprends rien, je n'y arrive pas. Qui? Candili. Bon, Candili n'arrête pas. Est-ce qu'il faut protéger avant et après tu fais ton glaze et ça tu va tout seul? Tu protèges ou non? Ouais, mais si elle veut faire quelque chose de... Ça dépend, sur Anisson, il faut protéger. Alors, sur Gypsy, bonjour à toutes et tous. J'ai loupé le début. Grrr, ma souris était en panne de batterie. Fleur des prés. Le principal, c'est que tu sois là, Fleur. Coucou. Donc, je vais te réexpliquer. On est en train de faire des rayures. Donc là, on ne les voit plus trop. Donc, on a mis des scotchs de masquage. Pour la petite histoire, on est en train de faire ça. Pour la petite histoire, entre les bandes qui vont être, qui ont déjà été peintes, donc celles qui sont cachées, on met des petits morceaux de scotch. Tu les vois, ils sont au-dessus du meuble pour faire les séparations toujours identiques. Mais ça, voilà, tu mets la largeur de scotch que tu veux. C'est à la place de mesurer, hein, tout simplement. Voilà, plutôt que de mesurer, nous, on met un petit scotch et ça nous permet de guider. Et maintenant, on travaille un dégradé, ce qu'on peut aussi appeler un blending avec le mot anglophone. Et donc, on fait un dégradé de couleurs. Donc ici, on aura le rose plume crazy en haut, péonie au milieu et... Péonie en haut. Ah, péonie en haut. Péonie en haut, plume crazy au milieu, qui est un plus fuchsia. Et on termine avec de l'aubergine, qui est la couleur de base, on va dire, de la commode. Voilà, Fleur, tu sais tout. Si pas à Namur, ça devrait être assez central afin que les déplacements pour les participants ne soient pas trop longs, si on veut, hein, Monique. Si on veut. C'est où, Monique? Elle habite où, Monique? Monique, elle habite sa maison. Ouais. Parce que normalement, ce sera dans son coin, à peu près. Centrale, mais d'où? Centrale de la Belgique, José. Ah bah oui. Il faut faire comme moi, partir 8 jours, faire du tourisme dans les Hauts-de-France et en profiter pour rendre visite aux copines. J'ai adoré ma semaine. Merci, Evelyne. Ah oui. C'est vrai qu'elle était venue avec ses copines. Donc, de temps en temps, entre-temps, Charlotte utilise le brumisateur qui, dedans, c'est juste de l'eau. Hein. Ça permet de réhumidifier sa peinture pour pouvoir faciliter le mélange, donc pour faire le dégradé. Bon, là, ça va être retouche à vos... Tu vois, Dominique, elle le dit aussi, hein, qui viennent de la région parisienne, ouais, pour venir chez nous. 300 km, hein, bravo, Dominique. Elle est venue plusieurs fois, en plus. Carissa, Chat et Céline nous conseillent et nous accueillent avec beaucoup de professionnalisme et avec toujours la bonne humeur. Merci, puis, Dominique, c'est un super... Bah, tu viens pas... Tu viens, super tu, compliment. Tu nous accueilles bien aussi quand tu viens. Ouais, soit dit, tu viens pas les mains vides, alors voilà, on va pas te... Hein, on va pas te mettre à la cour. Hein. Non, mais... voilà, je veux surtout pas que vous pensiez que c'est une obligation de venir avec quelque chose. Oh mon Dieu, non. Hein. Déjà, ça moi, ça nous gêne, hein. Il y a des, bien souvent. Ben, donc, ça nous fait plaisir. Hein. Ah oui, mais bien c'est sûr. Vrai que ça nous met mal à l'aise. Ça nous aussi, met mal à l'aise. Hein. Ben, voilà, c'est. Voilà, on est. Moi, je vais pas. C'est pas de la pudeur. Je n'emmène pas de la bière quand je vais chercher mon pain à la boulangerie, par exemple. Je devrais essayer.
Allez, on continue. Hein. Monique, elle habite entre Bruxelles et Liège. Voilà. Donc là, on va venir dégrader les deux couleurs qu'on vient d'appliquer entre elles. Je vais faire dans l'autre sens. Alors, Sylvette, qui aimerait bien venir nous voir, mais qui est de Vendée. Alors, Sylvette, tu as loupé le coche. On va faire un atelier en Vendée. Ouais. Alors, si je ne dis pas de bêtises, les 21 et 22 mai, je crois, le week-end de ce week-end-là, du 21 mai. Voilà, on va être sûr. Et c'est plein déjà. Ouais, en principe, c'est plein. Donc, le centre de notre petite Belgique, c'est Bruxelles. Donc, on devrait aller vers Bruxelles. J'ai vu, on a déjà préparé, hein, on a déjà un dossier qui est en cours de préparation pour la Belgique, mais je ne sais même plus où c'est, je vous avouerai. Donc là, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le Plum Crazy. Je prends plus bas que la démarcation et je balaye tout doucement. Mais c'est plus assez humide, ça sèche beaucoup trop vite. Et tout doucement, je vais venir remonter. Michel dit à Monique qu'elle va finir sous les ponts. Et vous venez quand sur Carcassonne? Et donc, quand je remonte et que je viens chercher mon rose plus clair, donc vous voyez, mon pinceau passe dans le rose plus clair, mais c'est pas assez humide, ça m'agace. Après, je fais la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, du coup, le clair que j'ai sur le haut de mon pinceau redescend. Une fois vous montez, une fois vous descendez. Et donc, ça se floute. Et là, je suis vraiment perturbée à cause de mes scotchs. Parce que je vois que sur les scotchs, ça fait comme si le scotch buvait ma peinture. Je sais pas, c'est bizarre. Et donc, j'ai l'impression que le blending n'est pas bien fait, mais il a l'air pas trop mal au niveau de... Alors, pour Carcassonne, déjà, je ne sais pas trop où c'est, je t'avouerai, Claudine, on est nul en géo si tu ne nous connais pas bien, voilà, sache-le. On doit aller, alors, là, on est en Vendée. Est-ce qu'on peut dire des choses? Non, pas tout. Alors, c'est quoi, pas tout? Pas rien. Bon, on est en Vendée, après, on en fait un ailleurs. Ah donc, si, ça, tu peux le dire le prochain. Oui, donc, en Belgique, à Paris. Après, on va sur Paris. Donc, si rien ne change, fin juin, début juillet. Après, en Belgique ou pas alors? En Belgique, normalement derrière. Oui. Après, en Belgique et après, je le dis ou pas alors, celui d'après? Parce que j'ose pas, après je vais me faire rouspéter quand je vous dis des choses. Bah, ce serait que tu me le dises à moi avant parce que je ne sais même pas où c'est après. Oh, mais il n'y a encore rien fait. Non, et après, on pensait aller du côté de Valence, dans ce coin-là. Voilà. Ah, et Fabienne qui est dans la salle d'attente pour la vaccination. Bon courage, Fabienne. Nous, c'est pour bientôt. Enfin, on est déjà vaccinés. Hein. Mais la troisième dose. On a pris rendez-vous tout de suite parce qu'après, après qu'il y aura eu des autres restrictions du gouvernement, ça va être la folie, il n'y aura plus place nulle part. Ah, il y a Jennifer qui est contente, qui arrive à voir un direct. Eh ben, coucou Jennifer. Et qui vient nous voir en Vendée. Moi, je ne sais pas parce que les réservations, elles sont faites à vos noms. Et là, c'est des pseudos. Des fois, alors, je suis perdue. Oh. Ah, il y a Babette qui dit… Alors, Babette qui habite le village d'à côté, qui dit « Je peux venir à Paris, j'ai un pied à terre ». Bah viens, ça serait fort quand même. On peut même faire du covoiturage ensemble. Ouais, on t'emmène si tu veux, Babette. Tu prendras la place au milieu. Hein. Là où il y a le levier de vitesse. Non, je pense qu'on prendra ma voiture. Enfin, ça dépend du matériel. Tu me diras qu'il faut... Bon, écoutez, ça ira. Parce que j'ai un peu de mal. Ça sèche très, très vite et j'ai du mal à bien flouter. Il y a Eniro qui dit « Je pourrais venir sur Paris. Comment on réserve sa place ?» Ben, quand ce sera mis en ligne, Eniro. Ouais. Donc, il faut absolument suivre notre page, si ça n'est pas déjà fait, pour suivre notre actualité. Et quand on lancera Eniro, c'est Paris… Qui Corinne. Ben alors. Quand on lancera Paris, voilà, tu le sauras. Après, il faut nous relancer régulièrement, hein, faut pas hésiter. Il y aura, je sais plus combien de places à Paris, une quinzaine. Je sais pas du tout.
Ah, Carcassonne, c'est là-bas, près des Pyrénées de l'Espagne. On ira aussi un jour. Donc là, là, vous voyez que je pars dans tous les sens. Mais c'est parce que si ça passe dessous, clairement, c'est pas grave vu que c'est déjà la couleur du dessous. Babette a dit oui, elle peut, elle n'est pas grande. Ben, on se mettra l'une sur l'autre, Babette. Si tu veux, à nous deux, on fera les 1m80. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a fait une grosse bêtise. Vilaine. Ah non, ce ne sera pas Paris même, hein, Aurélie. Hein. On n'est pas folle, hein. Non, parce que si on veut faire, il faut trouver des salles, idéalement, la salle c'est ok, après faut, idéalement on aimerait bien vous trouver un endroit où on pourrait tous loger comme on l'a fait en Vendée, donc ça c'est vraiment cool. Et mais bon, affaire à suivre. Oh là là, que ça sèche. Voilà, bon, ça commence quand même à prendre forme. Alors, vous, à l'écran, c'est pas flagrant, on voit quand même des limitations assez… C'est comme en photo, hein. En photo, les contrastes sont toujours plus importants que à l'œil. Evelyne, elle perd pas elle lâche pas, hein. Evelyne, 2023, normalement, un week-end est prévu vers Étretat. Non, mais t'inquiète, on va le faire parce que j'ai envie, moi, déjà d'aller à Étretat tout court. Donc, ouais, j'aimerais bien qu'on se fasse Étretat. Après, si jamais, hein, dans l'assistance, là, il y a des gens qui ont des locales, des gîtes. Des locaux. Des locales, des locaux, des gîtes. Des gîtes à privatiser, et du côté de Valence, ça pourrait nous intéresser. Ou ailleurs, hein, si vous voulez organiser un atelier, un stage de week-end. Idéalement, pour nous, c'est bien de trouver un gîte où on peut privatiser un gîte pour quand même entre 15 et 20 personnes. Idéalement 20, parce que nous, le déplacement, il faut qu'on le… On va être clair, il faut qu'on le rentabilise. Non, bien sûr. Bah, ou alors, si on est 15, on va devoir vous faire l'atelier plus cher. Voilà. C'est pas l'intérêt. Donc, pour rester sur des prix raisonnables, et au moins, on dort tous au même endroit, on mange sur place, on fait les ateliers. Là, le gîte qu'on a trouvé, c'est un gîte avec piscine. Ça va être génial, quoi. Après, on ne vous demande pas d'avoir une piscine. C'est d'un plus. Marine vous logera. Elle est où, Marine? On est nul aussi en politique, Fabienne. Pourquoi en politique? Ben parce qu'elle parle de Marine, je suppose que c'est Marine Le Pen. Je sais pas. Pourquoi, Charlotte, tu ne peins pas de haut en bas plutôt? Parce que pour faire le blending, c'est mieux si tu peux faire des grands mouvements. Je viens chercher le foncé. C'est ce que j'ai fait. Je prends mon foncé avec celui-ci. Je balaye. Bon, là, je ne vais pas trop repasser là parce que ça commence à sécher. Mais je balaye le foncé et petit à petit, hop, je viens le dégrader dans le clair. Et après, vu qu'en allant dégrader dans le clair, hop, j'ai refait des marques. J'aurais pas dû. J'ai du rose qui arrive. Je redescends. Mais là, je vais dépêcher parce que j'ai refait des marques disgracieuses alors qu'il était joli. Est-ce que je zoomerai pas sur le dégradé? Ce sera pire. C'est mieux d'avoir une vue d'ensemble. Hein, bah, tu le vois mieux le dégradé si tu as une vue d'ensemble. Là, je ne sais pas si s'il est bien. Je ne me rends pas compte avec les scotch. Donc, je pense qu'on va… Ah, Fred veut un stage à Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen. C'est vrai que si on va à Hénin-Beaumont, ben, on sera dans le fief de Marine. Mais après, écoute, nous, on ne fait pas de politique. Moi, si on m'accueille les bras ouverts… Ça me va. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis trop haute. T'es trop haute? Ouais, j'aurais dû être là. Je suis là. Bah, après, tu peux refaire un petit peu ton blending là, non? Ou redescendre un petit peu, je sais pas. Bah, là, je suis pareil sur tout le tiroir. Hein. Non, bah, on va sécher. Elle va sécher, elle va redescendre un petit peu son blending. Et puis, je vais le descendre un peu. Ouais. Allez.
Va me chercher, donne-moi de l'eau là-bas, s'il te plaît. Pourquoi ? C'est dans le 91 qu'on voit Evelyne ? Dans le 91 qu'on voit à Paris ? Je sais pas, non. Bisous Fabienne, donc, bon courage. Bon courage. Pourquoi je sèche pour redescendre mon blending ? C'est juste que là, ma peinture a commencé à sécher et que c'est trop compliqué de venir continuer à la blender. Je risque de faire des marques, des pâtés, etc. Je préfère sécher comme c'est là et retravailler par-dessus. Il y a Aurélie qui nous dit qu'elle a une salle avec cuisine équipée et gîte dans les environs. Après, ce qu'on aimerait bien, c'est que vraiment le gîte, on soit tous au même endroit, quoi. Ouais. Sauf ceux qui peuvent dormir près, qui ont quelque chose sur place. Oui, 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 bien évidemment. Mais voilà. Ce n'est pas une obligation, mais pour ceux qui veulent rester. Ce qu'on voudrait éviter, c'est de faire l'atelier, puis qu'après, chacun prend son petit sac et s'en va dormir dans son hôtel et on se retrouve le lendemain matin. Nous, on veut vraiment ce côté convivial où on va apprendre à se découvrir, à continuer malgré tout à discuter de notre passion ou pas. Hein. Mais l'idée, voilà, c'est d'échanger, de profiter du week-end pour échanger entre nous toutes. Hein. Et Aurélie qui dit « Je peux même avoir un cuisinier pour nous faire des bons petits plats ». Ouais. Elle a des arguments hein, quand même. Ouais. Donc là, on sèche hein, pour éventuellement les gens qui arrivent. On sèche pour pouvoir faire la deuxième couche de. Donc pour le coup, on est à la troisième. Du blending, dégradé de couleur. Donc on est même à la troisième, comme dit Charlotte. Alors, on est près des Sables d'Olonne en Vendée, Sylvette. C'est où le patelin ? Candiville, à Bourgueil. Gros Breuil. Bourgueil. Ça, c'est du vin. On est à Gros Breuil, Sylvette. Ouais, la dernière. Bon, Aurélie, elle dit. Il y a, si ok, on peut trouver un couchage pour une quinzaine de personnes. C'est où ça ? T'es où Aurélie ? Rappelle-moi, s'il te plaît. Ça y est, c'est reparti. Christine a trouvé un gîte pour plus de 20 personnes. Piscine, spa à visiter à côté, zoo de Beauval et château de la Loire. Pardon. Et j'ai déjà posé la question pour la salle. T'es trop forte, Aurélie. Bon, excusez-moi si je réagis pas forcément, mais j'essaye de me concentrer. Me concentrer, de travailler assez vite avant que ça ne sèche. Donc là, j'ai pas besoin de descendre jusqu'en bas. Hein. Je mets juste un peu ici d'aubergine. Je mets juste un peu d'aubergine pour travailler la transition. Christine, elle essaye de te soudoyer. Oh, mais non, Charlotte. Charlotte, dégustation de fromage de chèvre. Ah. Ah. Là, tu sais de parler. N'oublie pas de le descendre. Hein. Qu'est-ce que tu fais, je suppose ? Oui, je suis bonne. Tu es tout pardonné, Marielle, pour ton retard. Les gens viennent quand ils peuvent. On ne fait pas forcément toujours ce qu'on veut et ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut.
Et pour moi, Isabelle, dégustation en cave des vins de la région. Ouais, mais les deux, hein, ça va ensemble, hein, Christine. Pétard, oreiller aussi, chèvrerie à proximité. Oh, on va se faire des vacances tout au long de l'année. Hein. C'est ça. Pourquoi tu as des gosses? C'est pas forcément simple avec les enfants. T'en as, toi, regarde. Oui, c'est ça. Après, nous, il faut aussi que de notre côté, au niveau logistique, ce soit pas trop compliqué. Il faut avouer que quand on a de la petite famille. La famille avant tout quand même. Je ne peux pas les abandonner tout le temps. Hein. Voyez, Charlotte, l'avantage d'avoir mis un tablier, il ne faut pas hésiter à les salir. Il ne faut surtout pas oublier de le mettre. Parce que c'est le jour où vous oubliez de le mettre que vous voilà. Pouvez décharger votre pinceau. Mais vous déchargez votre pinceau sur votre tablier. Hein. Où peut-on connaître le prix de vos ateliers? Alors, là, l'atelier sur 2 jours. Donc, les gens arrivent le vendredi soir, idéalement. Le vendredi soir, l'atelier, donc on fait une auberge espagnole, donc c'est-à-dire que chacun amène ce qu'il veut et on partage. Le samedi, toute la journée, donc on offre le petit-déj. Le repas du midi, ben, c'est tiré du sac. Hein. En gros, on va faire les restes de l'auberge espagnole. Samedi soir, on organise un barbecue qui est en plus. Donc ça, on prend ou on ne prend pas. Et après, il y a atelier encore le samedi ou le dimanche. On recommence, on fait la même chose. Bref, l'atelier proprement dit est à 195 euros, si je ne dis pas de bêtises. 196 avec une partie du matériel de fourni. Avec une partie du matériel de fourni, donc pour les 2 jours. Le repas du samedi soir, ceux qui veulent y participer, on l'a fixé à 15 euros, tout compris. Donc barbecue et boissons comprises. Et les chambres, ça variait entre 45 et 60 euros la chambre pour les 2 jours, enfin pour les 2 nuits, la nuit du vendredi et la nuit du samedi. Voilà, tu sais tout, José. Charlotte amène Léna et Jade, il y a du babysitting. Non, on ne mélange pas travail. Et... Enfin, après, ça leur ferait des vacances, hein, mais non, je risque de les délaisser, donc c'est pas... C'est pas le temps. Non. Après, on veut être. Mais il faut que ça reste. On veut être là que pour vous. En gros, c'est ça. Ben, c'est ça. Si je suis là, vous voyez déjà en live, parfois. Quand Jade est là, si elle commence à me parler, etc., après, ça devient compliqué. Non, c'est pas de la moquette qu'il faut goûter là-bas. C'est de la moguette, c'est ça? Bon, je vais le refaire, ce dégradé du haut, vu que j'y suis. De toute façon, on n'est plus à une petite couche près. Et comme ça, on aura fini. Voilà, je prie pour mes scotchs. Hein. Je suis quasi sûre que je vais avoir de la coulure dessous à cause du fait que la commode soit incurvée. Il y a des endroits où on a. Il y a une garderie pour les maris, elle demande Fleur des Prés. Ah ben là, il y a plein de maris. Donc nous, il y a plusieurs maris, sont 3 ou 4, hein, 5. Ah, 5. 5 ou 6. Voilà, il y a des maris qui accompagnent leur femme et donc eux, ils se retrouveront ensemble. Ils pourront jouer au baby-foot, au ping-pong, à la piscine, aller. Se boire un verre ensemble s'ils veulent, s'ils sympathisent, voilà. C'est pour ça que l'idée d'arriver tout le monde le vendredi soir et de faire auberge espagnole, ça va être très convivial, ça va permettre de créer des liens, que chacun fasse connaissance et après, pareil, là, chacun s'organise au niveau des accompagnants. Ah, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 ou 6 hommes qui ne participent pas à l'atelier, mais qui viennent avec leur dame. Ça se lit Mogette, d'accord. Oui, oui, je vois les messages qui n'ont rien à faire sur la page. Ne vous inquiétez pas. Et en Vendée, on aura le droit aussi peut-être à un petit tour en Harley. En plus. Avec le mari d'Angélique. Moi, je vais aller chercher les croissants avec lui le matin. Non, prends ton temps pour te préparer le matin. J'irai chercher le pain, t'embête pas. D'accord. Hop, allez. Alors là, je vous le dis, hein, j'ai vraiment du mal à le faire. Pour plusieurs raisons, hein, la température. Mais c'est aussi que vu que mon scotch est plissé, ça me fait plein de marques. Du coup, j'ai l'impression que le blending n'est pas bien fait, alors qu'en fait, c'est au niveau des scotchs. Et quand je vais enlever les scotchs, ouais.
tout ça, je ne le verrai plus. Alors, je vais répondre à José qui dit « Merci, donc un peu épargner des sous-sous avant de vous voir en Belgique. » Alors, il faut savoir aussi qu'on a, on a proposé les paiements plusieurs fois. Sinon, oui, c'est une bonne idée, José, de mettre de côté. Donc, il y a certaines personnes qui ont payé en plusieurs fois. Il y en a d'autres qui ont eu des chèques cadeaux. Il y en a qui ont payé par PayPal. Il y en a qui ont payé par PayPal où on peut faire un paiement en 4 fois. Voilà, on est très flexible à ce niveau-là. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que l'atelier soit payé en totalité avant la date. Voilà, par sécurité. Quand tu parles de champ avec tes courses. Voilà, et sinon, oui, c'est tout à fait possible. Hein. On a fait des paiements en 6 ou 7 fois, je crois, pour certaines personnes. Donc ça se sent pas. Ça semble. Alors, Sandrine qui dit que son mari va s'éclater. Candiline qui dit que je serai super bien installée sur la Harley. Yeah. Je serai super bien installée, elle voulait dire. Bon, allez, ça ira, je vais bien voir parce que je ne vais pas y rester 3 heures. Oh, bah voilà, de toute façon, on est obligé. J'ai commencé à enlever les scotch. Allez. Ça va, vous? Alors, vous êtes prête? Bon, je vais avoir de la retouche, hein, je vous l'ai dit, hein, de la retouche sous les scotch, mais ça. On le savait. Ouais, mais tu es juste devant, là. Oh, pardon. Tu veux que je le fasse de l'autre côté? Allez, des petits cœurs, on compte sur vous, hein. On s'en va loin. Hein. Sur celui-là. Là. Tu peux mettre dans la poubelle, elle est à côté de toi. Voilà. Donc, je vais tout de suite corriger ce qu'il y a bavé. Alors, quand vous avez ça, là, ça bat. Trop facile d'accuser le scotch, Charlotte. Elle dit Laetitia. Alice, alors j'ai accusé Alice. Non, mais essaye de zoomer quand même pour leur expliquer. Parce que ce n'est pas le scotch qui n'est pas bon. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Hop. Attends, je vais monter. Vas-y. Non, referme. Là. On va essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez ici que le meuble est tout fissuré? C'est marrant que l'éclairage, il est très mauvais. Mais ouais, je comprends pas. C'est dès qu'on zoome. C'est très foncé. Là, c'est qui, là? Allume, c'est là. Attends, je vais essayer de le faire, moi, parce que sinon... Voilà, je sais pas, vous voyez pas forcément mieux. Non, vous me voyez. Ramène-le, dézoome et ramène-le. J'ose pas. Bah, touche pas, alors. Et vous voyez, on a une fissure du bois... Et du fait, à ce niveau-là, le scotch ne peut pas adhérer complètement. Et du fait, on a des petites bavures. Après, c'est rien de grave. Après, là en haut, il y a une petite bavure, je vois la deuxième, je pense. Non, à gauche. Ouais, ici. Là. Mais je pense que là. Et ça, après, vous pouvez retoucher... Soit vous remettez quand c'est bien sec un scotch sur la ligne rose et vous retouchez à l'aubergine. Mais voilà quoi. J'ai même pas vu si le dégradé il était bien. Elle plaisantait Laetitia. Je sais pas Laetitia si Charlotte l'a bien pris. Hein. Ah non, mon Dieu, je l'ai pas mal pris. Hein. Voilà. Bon, Béatrice, si c'est pour nous dire des choses pareilles, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'elle dit, Béatrice? Coucou, ladies, bise du Maroc, 26 degrés au soleil et ciel bleu. Bah, nous, il fait 4 degrés ici. Nous, il fait 4 degrés, alors. 4 degrés, c'est bien, le froid conserve. Et le gris, c'est très tendance, hein, tu sais. ça neutralise les couleurs. Bon, j'ai du mal à rectifier maintenant parce que vu que c'est pas sec. Bah ouais, puis je pose mes mains dans la... Je vais sécher, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est peut-être mieux. Elle est belle, cette petite Alice, elle dit Monique. Bah, elle est originale, ça change du tout simple. Déjà, là, je vais sécher les rayures, vous allez mieux voir. Tu peux les sécher un peu, je vais rester derrière un peu. Elle est épaisse. Hop là, comme ça je vais lire un peu vos commentaires le temps que maman sèche. C'est vrai que là le dégradé il est bien, que là ça fait presque une boule. Ouais. Ah, c'est normal qu'à l'écran. Nous, 14 et ciel bleu, région toulousaine, bah ouais.
Merci Béatrice, elle dit, vous voyez, je suis de cœur avec vous et encore bravo, merci. Merci Béa. Et il y a Fleur Després qui dit, Bob Béa, j'ai 21 degrés, trois petits points dans la maison. Je te bats Fleur, j'ai 22. Merci là, à vous. Bien la couleur ici, parce que là, bah oui, ça il fait presque noir. Et là, ça fait vraiment violet, purple, tu sais. C'est vrai qu'à l'écran, la démarcation se voit un peu plus. Après, ça n'empêche que même si. Ouais, ça se voit un petit peu quand même à l'œil. Mais ça n'empêche que même si on voit un peu plus la démarcation. C'est pas la ligne, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas la ligne comme ça. Quoi. Oubliez pas que si j'avais pas blendé. Bah, on te voit l'écran là. Je sais pas. Je fais pas mon travail. Il n'y a qu'une demi-heure. Non, on a vu une heure et demie. Bah non, moi j'ai 3h. Non, non, il est 3h40. Vous voyez, si je n'avais pas blendé, c'est comme ça que ce serait les démarcations. Hein. Ce serait net. Donc, dans tous les cas, j'aurais pu blender sur plus, quelques centimètres de plus. Que le blending se fasse sur 5-6 centimètres. Mais ça n'empêche que la démarcation est tout de même floutée. Et après, on va patiner en plus. Oui. Vous savez que Charlotte aime patiner, hein. Qui dit je confirme au sud de l'étrenne 10 degrés. Non, mais il fait doux aujourd'hui. Hein. 6 degrés, je crois, ce matin. Ah, bah non, j'ai pris la voiture. En tout cas, j'adore. Je suis une grande fan d'Alice au pays des merveilles et le violet est ma couleur préférée. Donc, c'est vraiment un meuble que j'adore. Merci, Audrey. Coucou, Béatrice. Bénédicte, pardon, qui dit qu'elle est en retard. Mille bravo, Charlotte. Quel magnifique travail tu as fait. Oh, merci beaucoup, Fleur. C'est magnifique, j'adore, j'ai hâte de m'y mettre. Ah bah cool si je te donne envie, hâte de tester la rayure fantôme. Après, je voudrais le refaire hein, sur un support lisse, clairement. Parce que là, vous ne voyez pas trop qu'elle est incurvée. Mais regardez quand même, elle a une sacrée courbe. Hein. Hop. Est-ce qu'on voit mieux ? Ouais, on voit quand même là, la courbe. Donc, vous voyez, ah bah là, on voit bien, c'est cool. Le blending, il se fait au même endroit que devant. J'ai bien sûr fait coïncider le blending avant et le blending des côtés. Hop, voilà. Je pense que c'est bon, je ne sais pas pourquoi tu sécher. Bah, on voit mieux quand c'est sec, puis je vais pouvoir faire les petites retouches où ça a un peu bavé. Patiner avec quoi, Charlotte? Donc, Monique, tu as bien répondu. Non, Candy, pas de glaze. Non, je pense que je vais patiner tout simplement avec la cire noire Best Damn Wax de chez Dixie Belle. Donc, une cire à l'eau. Oui. Qui a l'avantage de se travailler, quelle que soit la couleur, de pouvoir être travaillé directement sur les peintures. Sans que ça. Alors, il y a Véro qui met décapeur réglable numérique aujourd'hui chez Lidl. Je m'en suis acheté un. Eh ben, on va. Ah non, il va. On devait pas. Aller en racheter un l'autre jour parce qu'on pensait qu'il était détraqué, ah. Mais non, maintenant il refonctionne bien. Donc, ben, si vous voulez un décapeur comme le Nob, dans le même principe, donc réglable en ventilation et en chaleur. Une goutte de rose. Et en chaleur, apparemment, il y en a un. Pardon. Chez Lidl, en ce moment. Est-ce qu'il est bien? Ben, en général, leur outillage est pas mal. Hein. Parkside, c'est quand même une marque qui est pas mal. Hein. Bon, je vais faire quelques petites retouches et puis après, on va se quitter. Véro, elle s'en a acheté un du coup. Oui, c'est ça. Là, de me demander. Ah, je me demandais pourquoi il y avait du rose là.
J'avais mis un coup de scalpel en plein milieu du scotch pour essayer d'enlever la bulle. Je me demandais comment j'étais venue mettre du rose jusque-là. Ah, c'est ça. Mais c'était mon coup de scalpel. 18 euros. Ah ouais, c'est pour, ah, c'est pour rien. C'est ça pour vaut le coup d'en avoir même nous un deuxième. Ouais. Ouais, je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, donc là, je vais tout simplement retoucher. Alors, ce que j'aurais pu faire pour avoir des rayures plus nettes, mais je ne l'ai pas fait en live parce que déjà, ça rajoute du temps, c'est que j'aurais pu, avant de faire mes rayures en blending, ça, je vous en ai déjà parlé hein, quand on a fait des rayures, c'est mettre d'abord un coup d'aubergine partout. C'est-à-dire que la peinture qui devait couler, ça aurait été de l'aubergine et donc, je n'aurais pas eu d'infiltration d'autres couleurs. Vous voyez, ça aurait fait un... Ça aurait bouché le trou. Ça aurait fait un barrage entre le scotch et, oups, et le meuble. Et donc, c'est ce qui peut être fait. Ou alors du clear coat aussi, vous pouvez faire. Le couple mythique 2021, Gustave et Alice. Ouais. Là, c'est vrai qu'on finit en beauté, hein. Parce qu'on va travailler sur ce meuble encore mercredi, très mercredi, certainement. Je pense qu'on va refaire. C'est vrai qu'il est beau, hein. Là, je suis en train de me dire, pétard, il est beau quand même. Quand même, ouais. Non, mais on ne le voit plus, il est caché sous les draps, ouais. Et contre le mur. Le mettre au magasin. Oui. Ouais, non, donc, je pense que mercredi, on va travailler dessus. Il faut juste que je repeigne ce tiroir parce que j'avais voulu le faire rapidement en live avec vous et puis j'ai complètement décalé mon pochoir. Donc, mes losanges ne sont pas droits. Donc, ça, je vais repeindre en blanc. Là, c'est losange normalement. Et là, ce sera un damier. Là, ce sera de la rayure dorée aussi. Quel pinceau tu utilises, Charlotte, s'il te plaît? C'est un pinceau du kit de pinceaux Redesign. Il y a plusieurs pinceaux dans le kit. J'en ai quelques-uns là. C'est un kit de 7, hein, c'est ça? Attends, je vais encore en avoir un là. On va te faire voir ça, Evelyne. Toi, vous auriez une photo, s'il vous plaît, de photo de toi, Aurélie. C'est à qui tu parles? Bon, là, j'en ai que 5, mais c'est un kit de pinceaux. De chez Redesign. Il faut avoir absolument, il faut que vous ayez dans vos outils. Des pinceaux de précision. Des pinceaux de précision. Hein, ça, Donc là, j'en ai 5, vous voyez. Il y en a un biseauté aussi, normalement, je ne sais pas où il est. Ça, c'en est pas un. Non, ça, c'est un de notre kit. Donc. Il est vraiment pas mal ce kit. Hein. Aurélie, tu me demandais une photo de quoi? De Alice avant? Ou de autre chose? On va la retrouver si besoin. On va préparer la vignette pour mercredi. On vous mettra la photo de Alice avant, peut-être sur la vignette, non? Peut-être pas sur la vignette, ah. Mais je la préparerai pour la montrer pendant le live. Voilà. Alors, ce meuble, j'ai fait une super affaire le jour où je l'ai trouvé, parce qu'en plus, il est lourd. Ah oh ouais. T'as eu du mal quand même à aller le... Je suis arrivée chez... Ah, là, j'en ai encore un là. Il est là, le biseauté. Voilà. Je suis arrivée chez la personne qui vendait. Ils étaient en train de déménager et ils étaient au grenier. Et pour le descendre, il fallait passer donc par les escaliers exigus. Je dis, on n'y arrivera jamais, même en ayant tiré les tiroirs. Et comme il déménageait, c'est vraiment le jour du déménagement, il y a plein d'hommes qui sont arrivés, et des costauds, tout ça. Et ils disent, vous voulez qu'on vous aide? Oui, monsieur, j'ai dit. Je sais pas ce que ça, tu dis non, ça va aller. Non, ça, tu non, non, là, je ne l'ai pas dit. Oui, monsieur, si vous voulez bien. Ah, une photo du décapeur chez Lidl. Bah, ah. Tu tapes sur Google décapeur Lidl, tu vas le trouver. Hein. Ouais, je pense. Google est mon ami, Aurélie. Mais Véro, si tu veux, elle peut peut-être mettre une photo sur le groupe. Oui, Véronique, si tu as une photo, tu peux le mettre sur le groupe. S'il te plaît. Exceptionnellement, je veux bien qu'on fasse une promo pour un produit qui n'est pas vendu chez nous. Mais si ça peut, voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé le live, au moins ils auront l'information. J'ai les Anislone, ils sont top. Oui, ils sont bien aussi, Karine, tout à fait. Les Anislone, moi, j'adore. Il est où? Je l'ai utilisé il y a longtemps, il doit être à côté. Oula, Charlotte, monsieur, ah non, c'est Tania. Monsieur vient de regarder par-dessus mon épaule, il a dit que c'était superbe le meuble, quel talent. Merci. Ben Tania, tu remercieras merci, ton chéri. Monsieur. Merci monsieur. Ah, je ne l'ai pas, celui que je préfère d'Anislone. Ah si, non, c'est pas super. Ah, il n'est pas là, il doit être de l'autre côté, mais effectivement, hop, ça fait partie du kit Anislone. Donc c'est vrai que là, ça change. Ceux-là font partie du kit Anislone. Ouais. Ils ont des manches en bois brut. Oui, et il y en a un large. Large. Ben, idéalement, il faut des brosses, c'est-à-dire les pinceaux plats. Ça s'appelle une brosse, puis après des pinceaux plus fins. Après, le poil en lui-même, il est aussi important. Alors, d'une marque à une autre, d'un pinceau à un autre.
De toute façon, nous, moi, je ne comprenais pas avant pourquoi les peintres avaient plein de pinceaux. Et maintenant, je comprends parce qu'on cherche toujours le pinceau pile poil qui va aller bien. Celui pour mettre la colle, celui pour faire une retouche, celui pour… voilà. Elle va le faire, Véro. Merci. Merci, Véro. Donc, Monique, qui est modérateur, et Fred, vous pouvez accepter hein, la publi de Véro. C'est vrai que ça, c'est un meuble qui sort de l'ordinaire. Même nous, on n'a pas l'habitude. Ça me fait penser un petit peu à Tracy. Ouais. On a une ambassadrice de chez Dixie Belle qui fait beaucoup de meubles comme ça, avec du blanc et noir, des losanges, des carrés, des poids, des rayures. Et c'est toujours, c'est spécial. Hein, c'est, voilà. Mais c'est magnifique. Toujours très coloré d'ailleurs. Voilà. Elle a un de ses nouveaux transferts qui est sorti, hein, qu'on va bientôt avoir. Oh, un très fleuri. Très coloré. Donc, pour celles qui demandaient, les nouveaux transferts Dixie Belle arrivent. Hein. Vous savez que pour la France, c'est toujours un peu plus… Donc, on… plus oui, long. Comme le dit Monique… Et excuse-moi, Charles, je t'ai coupé. Vous ne pouvez pas mettre de photos hein, sur le live. Ce n'est pas possible. Hein. Sinon, on l'aurait fait. Hein. Nous, on peut, mais il faut qu'on les préparé avant. Ouais, Fred, il dit qu'il adore ce qu'elle fait. Ah ouais, Tracy, j'adore. Hein. Ouais. Vraiment… C'est incroyable. Pour information, il y a un nouveau transfert Alice qui sort. Oui. Et ceux qui ont acheté le 1 ou pas, hein, même. Hein, maintenant, ouais, il y a le 2. Il y a le 2 qui va sortir, il est top. Et je me demande si je ne vais pas réussir à en caser. Je ne sais pas où je mettrai. Mais j'aimerais bien en caser un petit peu sur ce meuble-là. Du transfert Alice. Donc, je vais y réfléchir. Sur les tiroirs, peut-être. Peut-être, ouais. Et si on le fait, on le fera peut-être ensemble. Moi, j'aurais bien aimé. On l'a, hein, il me semble. Après, je peux faire aussi un peu sur le plateau. Hein. Non, mais moi, tu sais ce que j'aurais aimé? Je crois qu'on l'a. Tant pis, je le dis. On n'a pas le lapin en pochoir. Bah, il me semblait qu'elle devait me l'envoyer. Et… on l'a, hein. On l'a, hein. C'est vrai? On a le lapin de Alice. Mais non, c'était pas ça. C'était pas le lapin. Elle devait m'envoyer. Elle devait m'envoyer la silhouette d'Alice, justement, pour ce meuble-là. Ah. Parce qu'on aurait bien fait une silhouette soit du lapin, soit de Alice sur le côté, je pense. Oui. Sur un des côtés. Et faire, oui, en noir ou en… ou en blanc. Ou une autre couleur, ou doré même. Hein. Ou doré, oui. Mais une couleur du meuble, pas rajouter encore… Non, 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 non. Bon, là, ce que je fais, c'est pas super intéressant. Hein. Je fignole. Voilà, ben écoutez, on va pas vous garder juste pour faire du fignolage. Non. Ça, vous vous doutez bien que comment il faut faire. Il faut être précise, méticuleux. Et surtout avoir séché avant ce qui est fini. Il faut comme pas ça, être si pressé. Je dépasse, par exemple, si je veux faire ça, comme ça, j'ai dépassé là. Hop, tout de suite. Un petit peu de bave. Ça aide la bave, même en voilà. Tapisserie. Et j'arrive, enfin, j'en ai pas mis assez. Chat, toi qui connais les noms, le transfert Albury est un nouveau ou pas? C'est pas un nouveau, non? C'est pas un nouveau. Donc, bah, c'est un de la dernière collection. C'est pas vieux, mais c'est pas la dernière collection. Si, c'est la dernière collection. Si? Si? Enfin, il y est, c'est là. Parce que la dernière collection de chez Redesign est sortie en 3 fois. Le live se termine et je vais à Lidl. Eh ben, écoute. Tu nous diras. Tu vois, ça ferait hyper chouette la silhouette noire sur le côté. Moi, je ne suis pas trop pour le noir, mais bon. Doré, je me dis que ça pourrait être bien. Doré, j'aimerais bien. Refaire un doré comme il y a déjà sur le tiroir ou sur les poids en bas, qu'on va peut-être refaire d'ailleurs. On fera peut-être en un doré plus. On va peut-être les refaire en quelque chose d'un peu plus bling-bling. Ouais. Albury n'est pas très vieux, dit Monique. Ah ouais, non, c'est pas un vieux un transfert. Alors, pistolet à air chaud numérique, 17,99 €. L'unité disponible 2000 watts pour décaper. Bon, voilà, il y a Marie-France, merci, qui vous a mis le descriptif de l'outil chez la grande marque de Discount. Et Véro, tu es sûre qu'il est réglable et en température et en air? En air. Alors, attends. Pour décaper, déformer ou chauffer, écran LCD intégré avec fonction mémoire, réglage de la température de 50 à 650 degrés par palier de 10 degrés.
Donc c'est comme nous. Longueur du cordon 4 mètres, caractéristique volume d'air 250 à 500 litres par minute. Ouais, donc c'est bon. Donc il est réglable. Accessoires inclus, buse réductrice, buse plate comme nous. Voilà, donc c'est, vous pouvez y aller, à mon avis, c'est a good tool. Vous pouvez y aller. Ouais, peut-être que tu y ailles aujourd'hui aussi, toi. Vivement que j'ai mon atelier, je bave littéralement en pensant à tous les projets qui m'attendent et ça empire à chaque live. Ben c'est ouais, Anne-Lise. Et sur les moulures des pieds, le doré, Monique. Oui, toi, dis donc, tu t'en souviens. Elles sont où d'ailleurs, les moulures? C'est vous qui proposez le doré cette fois, elle dit. Mais elles sont où, ouais, dans un des tiroirs? Tu veux que je vienne t'aider? Fais là-bas. Je vais sortir en biais. Ah, oh, t'es. Je suis en dessous. Enlève-le. Attendez, hein. Hop. Attends, c'est celui du dessus. Ouais. Hop. Alors, je vais enlever celui-là. Oh, wow. C'est pas protégé, hein. Vraiment, je fais attention. Oui, alors, bouger, hein. Sur les pieds, voilà, on doit mettre les moulures de cette moulure de chez Woody Ben, qui, donc, on va chauffer. On l'a déjà peinte. L'avantage des peintures Dixie, c'est qu'elles sont flexibles aussi, donc elles ne vont pas craquer. Donc, on va rendre flex cette moulure qu'on va venir coller ici. On va la faire aussi avec du doré, peut-être pas complètement, on ne sait pas encore. Ou juste au-dessus, on verra. Mais l'idée... Mais on ne les a pas recollés tout de suite parce que si on change de doré, il faut que je refasse mes poids avec un doré voilà, plus donc, plus. Une de chaque côté, ça va être génial. Voilà, voilà. Bon, on a déjà dit il y a un quart d'heure qu'on arrêtait. Ouais, hein. Vas-y, moi, c'est bon. Je continue de travailler, mais... Le pistolet garantit 5 ans. Oui, c'est vrai que leur outillage, en plus, il y a une garantie qui est longue, hein. Déjà en rupture de stock. Monique, si jamais tu en veux un, tu me le dis. Et si je peux en avoir deux, je te le prends. Hein. Ben ouais. Si on y va après. Bon, allez, c'est good. Bon, y a que là-haut, il faut que je retravaille un petit peu, mais c'est pas grave. Charlotte, tu n'as pas vu pour mes moules? J'envoie un message après, Sandrine. Ah non, faut que je regarde le. Faudrait que je regarde le live de CC, mais je pense que si tu regardes son replay, elle doit dire qu'elle nous le sait. Je t'avoue que je ne l'ai pas vu ce live de CC. Ah, c'est 3 ans de garantie? D'accord. Bon, allez, c'est good, j'arrête de toucher. C'est relativement propre. Oui, je regarde ça, Monique, je vais y aller après. Et s'il y en a un, je t'en prends un. Je veux un accord écrit de Michel. Ouais. Le banquier est OK, hein, Monique. Sinon, je le vendrai aux enchères après. T'inquiète. Voilà. Isa, si tu y vas, tu peux m'en prendre un, s'il te plaît. Je t'envoie un chèque. Et deux. Alors, ça fait 3. Allez, qui dit mieux? C'est qui? Alors, 3. Alors, qui sera le suivant pour l'achat d'un décapeur thermique chez Lidl? Allez, on monte. Alors, bon, maintenant, ça va être 20 euros, hein, le décapeur. Que ce soit clair. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Le banquier est OK. J'arrête, sinon je... Pas est OK. Hein, le banquier est... Plus loin, okay. OK. Pas il est OK, hein. J'en profite pour demander aussi où en sont mes hocus pocus, Laetitia. Ok. Laetitia. Laetitia. Ah, c'est, j'ai pas encore fait la commande. Faut que je la fasse. Quand elle me l'a demandé, je venais de recevoir la livraison. Ah oui. Ben oui, donc Laetitia, je ne sais pas si tu as entendu, quand tu nous as demandé, on venait de recevoir la livraison de chez Hocus. Donc, tu te doutes bien qu'on ne fait pas des commandes toutes les semaines. Enfin, du moins pas chez eux. Tout au moins, voilà, pas chez eux. Et on doit... J'ai 3 décapeurs d'entamés, là. D'entamés?
Et donc, on doit refaire une commande bientôt. Ah, du décapant. Pas du décapeur. Ouais, du décapant. Allez, vas-y, file. Voilà. Bon. Ben, écoutez, c'est beau tout ça. T'as quand même pas laissé la bannière Bienvenue au Nouveau depuis le début du live. Non, non, je l'ai enlevée, j'en ai mis d'autres et j'ai remis celle-là. On ne sait pas encore ce qu'on va mettre comme... Attendez, je voudrais tester quelque chose. Comme boutons. J'aurais bien mis des boutons avec des horloges. Ah non, avez-vous fait les photos de tes lunettes? Non. Pas du tout. Et il va falloir que je les rapporte quand même. Donc non, on va le faire. Ce soir, je choisis avec... Enfin, mon chéri fait sa sélection. Ouais. Voilà. Bon, j'ai hâte de la finir quand même, Alice. Elle est belle, hein. C'est vrai que maintenant que je la revois, je dis ouais, on devrait travailler dessus. Attendez, je vous recule un peu. Vous voyez, donc là, le bas, on va refaire les poids. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on laisse le doré comme ça ou un doré plus... Plus clinquant. Ouais. Après, il faut que je refasse tous les poids partout et que je repose bien mon scotch. Enfin, mon pochoir rouleau. Okay. Tu peux peut-être montrer, il y en a un sur la porte. Depuis le temps qu'il est là, bah, il colle encore. Hein. Ouais, j'adore les poids dorés aussi. Hein. Donc, l'idée, voilà, c'est ce qu'on a utilisé, c'est du pochoir rouleau. L'avantage, c'est que c'est super souple. Et vous coupez à la dimension dont vous avez besoin. Et l'idée, vous voyez, là, c'est qu'on va devoir le reposer. Après, une fois qu'il est bien posé à un endroit, normalement, il se repose bien partout. J'ai vu un message, le doré 24K, ouais, je sais, Monique, c'est à ça que je pense. Voilà, non, du coup. Ah ouais? Bon, c'est parce que tu l'as pas bien mis partout. Hein. Bah, t'es pas bien, là. Je suis un petit peu décalée sur la droite, mais... Oh. T'es pas bien, là, hein. Si ça y est, elle va me faire passer pour une andouille à l'écran. Mais après, c'était une première tentative. Hein. Après, tu fais trou par trou. Hein. Non, je vais repeindre dessus en violet, puis je referai les poids. Hein. Je ne vais pas me casser la tête. Je pense que je perdrai moins de temps qu'à essayer de bien remettre le pochoir. J'ai vu un message par rapport au poignet. Bénédicte, oui, c'est prévu. Hein, on va chercher des poignets dans le thème. Elle dit des poignets cartes à jouer ou horloge. Ouais, horloge, donc, nous, on pensait justement à horloge. Ou des cœurs, hein. C'est ça. On verra, parce que carte à jouer, on va surtout trouver dans des tons rouge et blanc, je pense. Des cœurs, des trèfles. Ou alors noir et blanc. Enfin, on verra, mais effectivement, on va essayer de trouver des trucs un peu sympas. Donc, le 24K, qu'en dis-tu, Evelyne? Elle dit Monique. Ouais, j'hésite. Si on veut faire un aspect bling-bling ou pas. Puis ça veut dire qu'il faut que je refasse aussi les rayures du tiroir. Ça. Parce que vous voyez le tiroir en haut, là, tu peux le montrer. Voilà, celui-là, c'est le même doré que sur les poids. C'est ce qui va être fait aussi à côté. Moi, j'aime bien comme ça pour une fois, le dit Evelyne. Ouais. Après, sachant que tu veux le patiner. Bah ouais, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas, on va laisser. Il y a quand même les poids, on fait tout là. Hein. Bah oui, je sais. Tout là, il ne manque plus que là-bas. Voilà, c'est... Non, ça restera éternel. Donc, c'est la cire éternelle, hein, pour information de chez Redesign. C'est peut-être chercher de la misère du travail là où il n'y en a pas forcément besoin. Ce doré est très bien, ouais, bah, ils aiment bien. Bon. Et puis après, on va donc patiner en noir aussi, surtout l'intérieur des tiroirs. La bordure intérieure des tiroirs, etc. pour que le blanc soit moins blanc. Ça permet de tricher aussi si c'est pas super net, le fait de patiner, ça. Bon, ils laisseraient tous comme ça. Bon, ben, c'est parce que vous n'avez pas vu comme on veut faire autrement. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est. On en a plein d'autres de même. Ouais. Et puis ça permettra à la cire de mettre un petit peu de doré sur d'autres arêtes, etc. Hein, pour. Voilà, il est très bien comme ça. Après, trop bling par rapport au reste, c'est vrai aussi. Parce qu'après, si tu fais une silhouette en doré et que tu le fais en bling, ça risque de faire trop bling-bling. Avec ça, ce sera... Là, les rayures, elles sont super fondues quand même. Ouais, elles sont belles. Hein. Elles sont plus fondues que de l'autre côté. Ouais. Sur le bas. Alors, le bas, là, c'est marrant, j'ai l'impression que t'es vraiment plus bas, ça. C'est vrai? Ah ouais, là-bas, t'es là. Bah, là-bas, je suis trop basse par rapport à... De toute façon, il me faut une deuxième couche ici. Ouais. Ah, je suis là au lieu de là.
Je dois faire une deuxième couche de blending aussi de l'autre côté parce qu'on l'avait fait ensemble et je n'avais fait qu'une couche. Et donc, on voit un peu par transparence. Donc, je ferai une deuxième couche. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se laisser. Il m'en faut bien. Allez, il faut que j'aille chercher des décapeurs. Il ne va plus y en avoir. Tu fais comment avec la baisse d'angle si tu essuies? Je n'ai pas compris, Angéline. Bah, comme je fais tout le temps. Tu t'en mets et t'essuies là où tu veux qu'il n'y en ait plus ou moins. Ouais. Et t'essuies pas là où tu veux qu'il y en ait beaucoup. Ça va pas, ça va me poser problème nulle part. Non, non. Je suis sur de la peinture. Je pense que de toute façon, je la protégerai peut-être avant. En vernis mat. On verra. Vous le verrez en live. Oui. On vous expliquera tout ça. Là, on va... On va couper. Oui, parce que moi, ma montre, elle ne va plus ici. J'ai 3h30. Non, il est 4h30. Il est 4h. Ouais. Puis on se retrouve de toute façon à 5h pour le tirage au sort. On se retrouve dans une heure si vous voulez que j'aille chercher les décapeurs. Enfin pour, surtout pour Monique et nous. Monique, c'était qui le troisième? Et Christine. Putain, je l'ai oublié. Oh, Christine, mille excuses. Bah, tu sais, voilà. Tu t'en fais les trois. J'en ai trois. Voilà, donc je vais y aller tout de suite. D'accord. Voilà, bah écoutez, merci, merci. Je suis contente d'avoir ressorti Alice. Parce que à chaque fois, clairement, j'ai la flemme de la sortir. Bah, elle est lourde. Hein. Faut dire ce qui est, parce que normalement, elle est là-bas. Hein. Je vais vous montrer quand même. C'est un peu le bazar. Elle est là, dos, face au mur, pour ne pas abîmer les tiroirs, etc. Il a fallu tout changer de place. Et puis, à chaque fois que je la travaille, je prends plaisir quand même. Donc, Et puis, il faut dire aussi qu'on l'avait mis là, qu'on a eu des travaux à faire, des peintures à faire pour des clients. Oui. Donc, il a fallu qu'on la bouge. Là, si on ne fait plus de travaux clients. Pour le moment, non. Je vais pouvoir la laisser sur mon, drapier. Oui, mais il y a de la place. On enlèvera la plaque d'en dessous, peut-être. Voilà. Bon, allez, on vous laisse. On vous laisse. On est des pipelettes. Nous aussi, on est contentes toutes, je pense. Bah ouais, j'espère bien. Tu as eu raison de la ressortir. Ouais. Puis je pense qu'on va essayer de plus la rentrer avant de la finir. Voilà. Il y a encore un peu de taf quand même, mais je vais essayer de travailler dessus demain après-midi. Gustave, il est là derrière, il n'y a plus beaucoup à faire dessus. Hein. Mais il n'avance plus non plus. Non. C'est vrai que c'est le couple de l'année. Je m'offre un décapeur pour mon anniversaire, elle dit Christine. C'est vrai que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Bon, écoutez, merci pour tous vos messages que vous avez laissés sur le live. Merci à chaque fois pour tous vos commentaires sur le post des lutins, parce qu'on rit bien. On s'est bien éclaté, nous, avec Anislone. Hein. Je vous avoue que je l'ai partagé sur les pages Anislone et je l'ai taguée, j'espère qu'elle va le voir. Oui, qu'elle va réagir. Et qu'elle va réagir. Voilà. Bon, merci à tous. Et puis, on se retrouve d'ici une petite heure pour le tirage au sort du calendrier de l'Avent des lutins. Je laisse mon PC là, je prends juste mon téléphone et je file. Ok, allez, des bisous à tout à l'heure. Ciao. Bisous, ciao.